Est-ce que tu as des nouvelles de Raouel, ton ancien ami? Parce qu'on l'a vu dernièrement dans Les Anges, enfin dans Les Vacances des Anges, l'aventure s'est pas très bien passée pour elle parce qu'elle a quitté le programme rapidement. Je sais qu'aux dernières nouvelles, vous viviez ensemble, vous étiez en colocation dans un appartement, et j'ai su qu'il y avait eu une petite brouille entre vous. Mais j'ai jamais su véritablement pourquoi, ou alors si vous vous étiez réconciliés. Non, j'ai plus de nouvelles de Raouel. Ben en fait, il n'y a pas eu vraiment d'embrouille, il n'y a pas eu, voilà. Bon, il y a eu des petites disputes, mais rien de grave. Mais en fait, je pense que c'est toutes ces petites disputes qui ont fait que maintenant, on se donne plus de nouvelles, on se calcule plus. En fait, le truc, c'est qu'on habite ensemble, effectivement. Et à la fin, moi, je voulais repartir vers ma famille sur Alès. Et parce que j'en avais marre tout le temps de faire plus de 2 heures de route pour aller voir ma famille. Et du coup, je lui ai dit, elle m'a dit, OK, il n'y a pas de souci, ben, on arrête la colocation. Et en fait, au final, dès qu'on a arrêté la colocation, on n'arrêtait pas de se disputer, etc. Donc, du coup, ben, on a dit, on Parce que... arrête d'être amis, tout simplement. Mais c'était sur des broutilles, en plus, ça, c'était vraiment sur des trucs sans intérêt. Parce que Voilà. moi, elle m'avait dit, bah, je vais te le dire, je sais pas si... Non, je crois qu'on n'en avait pas parlé, mais moi, elle m'avait dit que ça se passait mal parce qu'elle se rendait compte que vivre avec toi, ça devenait impossible, que tu sortais tout le temps, que tu sortais trop, que t'étais pas sérieuse, que c'était le bordel à la maison, tu t'occupais de pas grand-chose. Donc, moi, c'était les infos que j'avais eues. Ok, d'accord. Donc, bienvenue chez moi. Vous voyez que c'est rangé. Voilà, tout est rangé. Il y a mon sapin de Noël. Oui, on est en novembre. Voilà. Vous voyez que c'est très très propre. Il n'y a pas de souci. Si vous voulez même, je vous montre ma vaisselle qui est faite. Voilà. Non, c'est n'importe quoi. Je suis une personne très très ordonnée. Certes, je sors beaucoup. Je sortais beaucoup, du moins. Je sortais beaucoup en boîte de nuit, mais je la suppliais pas pour venir avec moi. Après que ce soit invivable, je pense pas du tout. Après, je vais pas cracher, je vais pas commencer à inventer des trucs, etc. Je pense qu'en fait, elle a répondu à des questions que, en fait, voilà, il fallait qu'elle donne quelque chose, donc elle a donné quelque chose, mais c'était n'importe quoi. Moi, bon, dès que c'est moi qui faisais à manger tout le temps, même quand pour son anniversaire, c'est moi qui avais préparé son anniversaire à la maison où elle avait des amis, j'avais passé la soirée dans le four au lieu d'être avec elle et ses amis, alors que bon, c'était mon amie. Enfin, voilà, je suis pas quelqu'un d'invivable, je ne pense pas. Maintenant, je découvre en fait. Hein. Non, mais du coup, j'ai plus du tout de contact avec elle. Et sincèrement, ça me manque pas parce que voilà, c'est en fait, c'est pas le type d'amis que j'ai en temps normal. Et c'est vrai qu'une aventure rapproche vachement. Et quand on est arrivé en France, ben, directement, on s'est pas lâché, on a vécu très vite ensemble, etc. Et au fur et à mesure, en fait, on se bouffait. Ben oui, mais quand Donc, tu dis c'est pas le genre d'ami que j'ai en temps normal, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'est-ce qu'elle est qui fait qu'elle ne peut pas correspondre à ton genre d'ami? ben, en fait, le problème, c'est que c'est quelqu'un déjà, elle pense beaucoup à elle. Elle pense beaucoup à elle et un peu trop. Et du coup, moi, c'est vrai que je pense beaucoup trop aux autres. Donc, en fait, c'est je donne, je donne, je donne. Et en fait, j'avais rien en retour. C'est-à-dire elle est égoïste pour toi? Ben, c'est pas égoïste parce que je sais que, par exemple, si demain, vraiment, vraiment, son amie est dans la merde, mais dans la grosse merde, oui, elle va y aller. Mais c'est des petites attentions, en fait. Moi, je sais pas, je fais à manger, etc. Ben, le lendemain, elle va faire à manger. C'était des petits trucs comme ça? Ben non. Il y a eu ça, et puis après, c'est pas le genre d'amis parce qu'en fait, tout simplement, peut-être, je sais pas, ça pense peut-être trop à la télé, je sais pas. C'est pas, en fait, je reconnaissais pas. Au début, je me disais, ouais, c'est une vraie amie, c'est une vraie amie. Et à la fin, quand on s'est séparés, qu'on s'embrouillait pour rien et tout, j'ai dit, non, mais en fait, ça, moi, mes amis, même si on vit pas ensemble, même si on habite au loin, eh ben, c'est pas pour autant qu'on va s'embrouiller pour des pacotilles. Et tu Non, regardes. mais c'est vraiment quelqu'un que ben, j'ai plus de contact, mais c'est pas grave, en fait. Moi, bon, après, j'ai pas de haine contre elle, j'ai rien du tout, ouais. C'est pas. Celle avec qui tu t'entendais pas et avec qui tu t'entends très bien maintenant, c'est Beverly. Oui. Bah ouais, parce que moi je me souviens une fois un été, je crois que c'était bah tu sortais des Marseillais South Africa, je t'avais dit bah tiens, il y a Beverly qui vient à la maison, tu sais à Montpellier chez mes parents, viens au jacuzzi. Et tu m'as dit ah non hein, Beverly, ah non moi je ne viens pas. C'est vrai, mais tu as une très très bonne mémoire. Ouais, Beverly, à la base, on était des meilleurs ennemis. Alors, on ne savait pas vraiment pourquoi on se détestait. Mais voilà, en fait, moi, je pensais que son caractère et le mien n'allaient pas du tout ensemble. Je pensais que c'était une fille qui était trop excentrique, trop. Voilà, et bien au final, non. En fait, même si elle est trop excentrique, et bien presque c'est ça que j'aime chez elle. Vraiment, maintenant, d'avoir vécu avec elle à la Villa des Cœurs Brisés, maintenant c'est une amie, elle vient tout le temps à la maison. Donc vous vous êtes réconciliés là-bas. J'espère qu'on la verra. On la verra quand même. On verra les images de la réconciliation. Bien sûr, il y a eu des clashs aussi, et il y a eu des réconciliations. Et aujourd'hui, vous êtes comme ça, ce qui paraît. Cul et chemise. Ah oui,
Ah oui, maintenant, ben, hier soir, elle est venue manger à la maison encore. On s'envoie tous les jours des messages. En plus, ce qui est bien, c'est qu'elle est d'Alès et moi aussi. Donc, du coup, on est tout le temps ensemble. Et c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie parce qu'au final, c'est quelqu'un qui se prend pas la tête. C'est quelqu'un qui reste simple. Et chose que je pensais pas avant. Oui. Et en fait, de l'avoir connue, c'est vraiment quelqu'un de humble. Ben c'est incroyable. Vous vous connaissiez depuis quelques années, hein. Même avant que vous soyez connues toutes les deux. Ah oui, complètement. Nous, en fait, on était dans le même collège, en fait. Ah ouais, on était dans le même collège, on se connaît vraiment depuis toute petite. Ah donc ça veut dire que t'as des attends, ça veut dire Fanny que t'as des dossiers, t'as des dossiers sur Beverly au collège. Ah oh, vas-y, lâche-nous un petit dossier, allez, vas-y. Ben non, mais on va dire que pendant les fêtes de village, elle faisait ses concerts et elle avait une chanson qui me marquera à vie parce que cette musique, c'est « Au-dessus des nuages, j'ai caché les secrets des filles de mon âge. » Je fais plus de musique.